sous New Zealand. En fait, ils ont fait un bilan de Raleigh Cobb, l'État dépensé en tout. Dans les quatre derniers événements, côté que tu as une bataille entre Donald Trump et résultat élection. Ce n'est pas 5 Cobb. Bien, menti qui M. Baikom quoi, il vole l'élection, implication qu'il gagne. Cobb procès, et Cobb est obligé de en fait, conduire à tout dernier événement, ça, il est obligé de payer trop. Donc, bilan, on dit un bilan provisoire, il coûte l'État 519 millions de dollars. 519 millions de dollars. Donc, le fait que M. tape un peu partout, on dit, et conduit Mounio dans le mensonge, a fait comprendre que l'élection a gagné magouille, côté que l'État a essayé justement de détruire confiance que Mounio gagne dans le système électoral. Il dit total là, c'est 519 millions de dollars. Et Fondou, pour expliquer les dépenses, il a parlé de ensemble de et institutions dans l'État. On essaie d'expliquer. Par exemple, on prend lorsque Donald Trump t'a ordonné FBI par l'intermédiaire de l'attorney général Barr pour te faire investigation. FBI fait investigation. C'est ça a demandé des fonds. Et investigation, hein? Jean-Attorney général Barr te dit pas gagné rien. Nous capables de prendre tout, différentes lawsuits. L'air fait lawsuits ça. Vous comprenez bien dit l'État. Pas oublier que c'est l'État là qui est institution ça, au state. Il est obligé de déployer des avocats qui pourront le défendre. Et donc, c'est des montants. Ok? Et parce que ça vient de passer à un certain niveau. En fait, l'État est obligé d'approprier des fonds publics, pour capable répondre à ensemble action que Trump et supporter lui ont fait. Et en fait, là, on fait une révision de, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau de state, au niveau fédéral, et en fait, record qui gagne sous des pensions, ainsi que interview fait avec des officiels dans le gouvernement, et on dit qu'il dépense ça au gain là dans Tanoué les legal fees pour plusieurs lawsuits. Et il faut ne pas oublier tout que l'État, on dit, c'est pas seulement au niveau de fédéral, mais au niveau de state, obligé de prendre ça en des mesures de sécurité additionnelles pour des séries de officiers dans l'État qui ont menacé et qui ont catouillé. L'un par exemple, nous sommes les secrétaires d'État au niveau de Georgia et autres. Donc tout le monde est obligé de prendre des sécurités additionnelles. Jusqu'à ce jour, à la grande bande députée, ils sont obligés de prendre des sécurités additionnelles. Gain des cartes, c'est des montants qu'ils ont dépensés pour capable faire des réparations par suite des soulèvements qui fait. Donc par suite d'insurrection, tout ça c'est justement et des dépenses additionnelles. On dit que attaque ça yo et fait ça d'arriver des dépenses massives et ils étaient obligés de déployer des National Guard dans la rue dans Washington puisque ils pensaient qu'ils avaient bien des extrémistes additionnels. Donc leur résumé, ils ont parlé de 519 millions de dollars. Mais officiel, il dit que, à la vérité, véritable coût, véritable estimation de dépenses, pas besoin de café qu'on ait. Parce que je dis à la, eh bien, et différentes institutions d'État sont obligées justement à préparer pour des éventuelles dépenses. Maintenant, à part ça, pas oublier que il y a le fait tout que, eh bien, et gain des dépenses qui fait et Donald Trump rassembler plusieurs agents. Il nommait secteur privé, l'Olfin perdit l'élection. Hein? Et il t'a fait comprendre que ça sont l'autre aspect, parce que monsieur tout, il est ramassé comme sans arrêter tout. Et ça qui passe, il dit que, campagne pour monsieur Kababri, il dit que, il n'a pas recevoir, il a un penny. Non, mais vous connaissez bien, il dit, campagne, équipe de campagne qui dans l'élection, yo di yo pa jwenn un peni nan men président. Yo explique que gen à peu près 2.8 millions de dollars de donneur yo l'agence sa yo qui a jwenn direct organisation Trump. OK? La dame, yo capable bay quelques détails. Gen 80 000 dollars depuis monsieur perdit l'élection. En fait, ki jan ba la fête nan parce que la explique là. C'est que comme yo vini, comme yo dépensé en dans différentes organisations que monsieur gagne. En plus de ça a été fait ça un joint fundraising,
Rien dit joint fonds résident lui-même avec parti républicain côté que il était fait collection de monnaie en partnership avec parti avec le parti républicain il a parlé de 4.1 millions de dollars d'honneur qui allait dans business Trump 4.1 millions de dollars qui dépensait dans business Trump et pour plus petit après élection il est capable de signer près de 331 millions de dollars on essaie de comprendre qui Jean et Trump ouais comme ça yo. Très intelligent. Par exemple, il parlait de l'argent qui payait pour rent, l'argent pour côté que mon yo a dormi. Et on dit que yo montré que gagnait Trump campaign et parti national républicain qui pourquoi réagir sur bail ça. Ça fait comprendre bien faire yo bail comme yo même c'est comme quoi yo dit ben nous gagne des trois ressources, cal peut-être passer des trois nuits dans Trump hôtel. Toute bagage c'est Trump hôtel. Tout ça a consommé son organisation Trump. Mais Jean justement, yo dépensé comme ça. On dit que deux jours après l'élection, et Sunday le Joint Fundraising Committee a payé 11 000 dollars sous Trump Hotel Empire. Une semaine après, Associated Press, Fox News et d'autres médias outlets qui déjà baillation, yo parlé de 294 000 qui ont dépensé dans Trump Hotel Business pour justement être capable de rent. OK? Donc ça n'avait pas expliqué là parce que tout cob qui collecté yo dépensé yo dans business Trump OK yo parlé dans notre business encore qui relé DT Endeavor LCC on comprend cob yo bail parce que monsieur qui plusieurs et type d'organisation donc en clair monsieur pas ni prend cob là ni prend entre dans poche ni prend à le déposer sur carnet bancaire OK donc qui j'en fais c'est prend cob là un petit cob là dépensé dans restaurant Trump dépenser dans hôtel Trump. So tout comme yo on y dépenser pas pile pas paquet. Hmm? Non, business Trump et j'aime connait ni donner montre que business monsieur yo prend coup. Business monsieur pas marcher. Donc il tout simplement bay booster à business li dans pile comme ça parce que donner montre parce que tout business yo là pour aller et leur garder lundi donner et état comptable qui yo bay chaque et montrer que revenu comme qu'on entré réduit de manière considérable tout pilote hôtel qui gagne pas gagne et ça gagne dans international du tout yo a poursuivi yo y a demandé pour bail rendre compte de source de revenus à la vérité soit regarder soit faire bilan sur le plan de revenus nous capable dire que business justement Donald Trump yo prend coup étant seul business qui marche bien nous capable dire c'est business collègue de fond pour dire n'a bataille, on va prendre n'a bataille pour élection hein? Et nous te sur website li te mandé chaque monde pour bailler des cotisations considérables qui fait que monsieur gagne cash dans main là mais ancien si c'était pour buzz simplement vraiment pas capable gagner et mettre tout ça pas oublier que monsieur gagne en pile dette qui rivait à terme par exemple parler de 2023 côté gagne 400 millions de dollars pour la remettre monsieur gagne pile dette là pour vivre à terme sans compter monsieur gagne bonne lawsuit qui souterrain là captain ni papier et papaquet très certainement nous mettre branché libonnet toujours dans les jours à venir n'a bien pour nous tendre des résultats différentes lawsuit que monsieur ça a gagné et que l'a gagné pour lui répondre à question ça donc voilà gars on te porter update ça pour nous pas oublier de brancher avec vous les dernières informations nous toujours partager au site là bye bye tout le monde.